Ça dit quoi l'ami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Booba qui réclame observateur. L'histoire commence à aller de plus en plus loin. Si vous voulez savoir ce qui se passe, donc je vous incite à regarder la vidéo entièrement. On aura deux actualités, donc on se retrouve tout de suite. Il y a une vidéo de Ramba Junior qui a suscité beaucoup de réactions. La vidéo qui a fait le tour des médias n'a pas manqué de susciter des avis des internautes qui ne manquent pas de se poser beaucoup de questions. Comme celui-là qui dit, je cite, « Hey petit, protège ton Sim 2. » Ou encore, « L'enfant veut rentrer dans quoi ? » Son papa doit recadrer sa chape. Un autre encore qui dit, « Bon, j'espère que c'est pas ce que je pense. » Je me rappelle qu'il y avait aussi une autre vidéo de Ramba Junior qui a circulé pour les mêmes raisons. Donc Ramba Junior, les gens se posent beaucoup de questions à ce sujet. Il y a un direct entre Bébé sans os de main et Nika Paul qui fait le buzz actuellement. Et c'était un jeu qui se passait entre Latis et Nika Paul. En fait, Nika Paul lui a demandé dans le jeu qu'il va poser des questions et Bébé sans os de monde doit répondre ni par oui ni par non. Mais regardez ce qui s'est passé. Parler toi non. Maintenant quand on parlait là, on doit pas dire oui ni non. Si t'as dit oui comme ça là, tu as perdu. Si t'as dit non, tu as perdu. Tu peux dire ouais, tu peux dire évidemment, tu peux dire ah bon, c'est vrai, mais tu dois pas dire oui ou non. Non, si tu as dit ça là, moi je dois te dire de faire quelque chose, non, tu peux le faire. Même si tu es de danser, tu veux danser. Même si tu tu vois, non? Oui. Ah, oui. Non, pas du oui. Pas du oui. Tiens, mais tu parles oui, tu parles oui. Ok, oui. Oui. Attends, allons-y. D'accord, oui, je me fous. Ok. T'as quel âge, Kara? Évidemment. T'as quel âge? Évidemment. Non! T'as quel âge? Évidemment. Okay. T'habites où? Évidemment. Tu as une femme? Évidemment. Ça donne quoi quand manager confirmé fait du rap? Tu connais pas, va demander. Je m'appelle manager confirmé. J'entends sur le beat, mon adjim c'est il va rire, tu connais pas mon ami, faut te demander. J'ai ma belle manant, j'en confirme mes papa na mélodie. J'en veux en tout terrain, j'en sais de tout. Les internautes sont beaucoup intéressés par la vie scolaire, tout mal oui. Voilà l'élément de la team Paya. En 2023, il devait passer son BPC. Voilà, et les résultats sont sortis. Et aucune information n'a été donnée sur son résultat. Du coup, ça beaucoup fait parler, les gens disaient que non, il est échoué, tout ça. Et là, sur RTI1, il a eu un interview où il lui a été demandé s'il continuait toujours les cours et il a répondu qu'il suivait des cours en ligne. Une réponse qui a beaucoup fait réagir. Certains disent que voilà, on le voit tous les jours traînant avec la team PIA. Certaines personnes disent qu'il ne va pas à l'école et c'est juste pour calmer les choses sur internet à propos de sa vie scolaire qu'il a dit ça. Et il y a encore une autre vidéo sur lui qui a circulé et ça c'est récemment même. Voilà, la vidéo a beaucoup fait réagir et je suppose que vous savez pourquoi. Avant son emprisonnement, Observateur avait dit sur le plateau de ses midis, après qu'on lui a dit que ses propos, voilà, qu'il dit sur internet pourraient tout à lui créer des préjudices, le mener en prison, tout ça. Il a dit que le fait qu'il soit emprisonné serait bon pour ses affaires et que ça allait lui donner beaucoup de vues. Il parlait de prison, est-ce que vous avez peur de la prison? Eh, ça fait partie de mon mouvement. Il n'a qu'à me mettre là-bas seulement, ça va te colondrer, c'est rien. Oh là là. Aïe, les affaires, c'est les affaires. D'accord, dernier mot. Donc j'ai dit dans une journée il y a 24 heures, ma vidéo dure 3-4 minutes maximum. C'est pas moi qui ai fait, ils dorment leur maman 24 heures sur 24. Leur papa, toute l'année, ils ont 20 ans, depuis 20 ans ils sont avec leur papa. Moi mes vidéos c'est 3 minutes seulement. Voilà. Et puis ici ils n'ont pas passe même là, ils ne vont pas voir vidéo là. Donc eux aussi sont responsables de ce qu'ils peuvent voir qui est intéressant. Ici le number one. La vidéo bien qu'elle a refait surface après qu'ils soient emprisonnés.
pour ceux qui n'ont pas pu voir le poste de la PLCC après l'arrestation d'observateur, la PLCC en effet fait un poste, voilà, dans lequel elle a cité les propos d'observateur lorsqu'il se faisait arrêter. Donc il paraît qu'il avait refusé de coopérer. Et dans ses propos, il a dit, je cite, d'après le poste de PLCC, c'est mon téléphone, j'ai le droit de faire et de dire ce que je veux sur internet sans être inquiet, surtout quand cela me rapporte beaucoup d'argent. Et si jamais je sens que mon acte peut avoir des répercussions, j'utilise mon même téléphone pour créer le buzz de sorte que mes abonnés voient en moi quelqu'un qui assume ce qu'il fait. Ai-je le droit de dire ou de faire ce que je veux sans craindre qu'une plainte soit portée et que je réponde de mes actes? Voilà, ça c'était ses propos. Et il paraît que même pour la photo qu'on devait prendre, voilà, pour poster sur la page de la PLCC, ils ont eu des difficultés à prendre parce qu'ils refusaient de coopérer en fait. Donc voici la photo. Comme vous pouvez le voir, il y a une vidéo de Booba pendant son concert qui a circulé, et dans la vidéo il réclamait, voilà, il réclamait observateur. Il disait ouais observateur, tout ça. Et la vidéo a fait du buzz. Vu ce qui se passe avec observateur actuellement. Et bien, il se trouve que la vidéo postée par le média lol.com est un fake. Et ce concert de Booba est un concert qui date. Et comme vous pouvez le remarquer, observateur dans le public, vu qu'il était présent à ce concert, en ce moment-là. Du coup, c'était tout. N'hésitez pas à laisser un like, très important, la mif, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines actualités. Et on se dit à la prochaine.